reste avec le corps médical parce qu'il y a une belle histoire. C'est quelqu'un qu'on croisait souvent, Gérard Tramoni, aux côtés de Florent, justement, où il était sur la piste aussi, il est anesthésiste réanimateur. Et donc, il a fait pendant 8 ans ce qu'on appelle les voitures tango, c'est-à-dire qu'il est sur la piste pour aller au secours de ceux qui ont un problème, les concurrents qui ont besoin d'une assistance médicale. Et cette année, il a décidé de partir lui-même faire la course. Pourquoi ? Parce qu'il est auprès d'une association qui s'appelle une association pour les enfants malades, hein, qui s'appelle l'Enfant at Hôpital. On l'appelle Doc Dakar et il voulait prouver aux enfants qui le suivent, avec lesquels il était en lien, bien voilà, qu'il faut se battre pour essayer de toute façon d'aller toucher le but qu'on se fixe. Et lui, le but qu'il s'est fixé, c'est de raconter une belle histoire à ses enfants. On le retrouve. Un petit moment d'émotion parce que sans se mettre la pression, puisque tout est bon à prendre. Et c'est un apprentissage pour moi, étape par étape. Néanmoins, pression pour bien faire. Propre, en sécurité. C'est l'anniversaire de mon fils Titouan qui a 12 ans. Donc je lui dédie cette spéciale. Voilà, encore une belle histoire humaine. Florence, j'imagine que vous étiez inquiète pour lui hier, parce que vous demandez s'il allait pouvoir continuer son beau projet finalement. Ah bah oui, on le suit tous les jours. Alors au bivouac médical, on n'a pas le moyen de les suivre à la trace. Par contre, au PCO, c'est-à-dire au centre où on suit tous les véhicules, on manque pas de suivre le 359. Alors quand il s'arrête, voilà, on sait bien qu'il est médecin, mais c'est toujours un petit stress. Eh ben, on est sorti, aidé par un concurrent que je remercierai. Mais la barre de direction de la roue avant droite, gauche, pardon, est cassée. Donc Dominique est là et on va faire ce qu'on peut. C'est le Dakar, c'est l'aventure, ça commence mal. Ok, pas de problème. On va y aller. Bon, donc voilà notre T4. C'est-à-dire nos anges gardiens qui sont arrivés après avoir dépanné des gens. Maintenant ils arrivent, évidemment ils sont éclatés. Mais on va souder, on va repartir, on est des guerriers. Nous terminons enfin cette spéciale numéro 1 du Dakar avec le problème mécanique que nous avons eu, mais on repart, c'est la preuve. Mon fils, je t'avais dédié cette spéciale. Philosophiquement, je te le dis, il ne faut jamais rien lâcher dans la vie. Mais c'est magnifique ce qu'il fait, donc il y aura beaucoup de supporters parce qu'on le rappelle, hein, il fait ça pour les enfants. On va remettre encore peut-être l'association pour laquelle il se bat. On rappelle qu'il est médecin, anesthésiste, réanimateur à Lyon et qu'il veut faire passer ses messages d'espoir aux enfants qui le suivent donc tous les jours pour l'encourager aussi, l'enfant à l'hôpital. Son beurre, on ne partage rien à part sa mauvaise humeur, mais il faudra bien arriver vers la voiture qui est arrivée d'Argentine hier soir. Bien content de la voir avec tous ses nombreux sponsors. Ces enfants, je me suis aperçu depuis 2 ans de reportage que tout les passionne. Tous les jours pendant la course, leur ferait part de mes émotions, les difficultés, les galères, les belles photos, tout ce qu'on va pouvoir faire. Prends tout le rallye avec moi et Dominique et la voiture. Et à chaque fois que j'entrerai dans la voiture, j'aurai une petite pensée pour vous parce que vous êtes vraiment là. Diana, Sonia, je ne vous cite pas toutes, vous êtes très nombreux. Dis ma petite sœur, il faudrait penser autrement qu'individuellement. Oubliez la monnaie d'échange, si l'on veut que les choses changent. Alors Gérard qui se bat avec son volant sur une piste sinueuse, cassante et sablonneuse. Vous pouvez le voir, ça remue beaucoup dans la voiture. Mais alors, quel bonheur, mais quel bonheur! Salut les enfants, et bien voilà, on se retrouve encore avec pas mal de galères. Le rallye est quand même très compliqué ici, la navigation est pas facile, on a eu des problèmes, on est resté aussi un bon moment arrêté dans les spéciales, mais on lâche rien, on est toujours en bagarre et c'est ce qui compte, il faut tout donner jusqu'au bout, donc ne lâchez rien, bon courage!